Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Wrestling Empire. Désolé si je le prononce très mal. Pour la suite du coup de notre Let's Play. Donc souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait du coup déjà arrêté notre contrat avec l'autre fédération. Et voilà, donc on était free agent. Et le manager général de Weekend Warrior nous a proposé un contrat dans cette fédération. On a bien évidemment signé pour un contrat de 5 semaines pour 200$ avec une petite avance de 4000. Pourquoi j'ai accepté? Parce que ça me fait ça. Alors déjà, ça me fait de l'expérience dans le truc. Parce qu'il faut savoir que si tu vas dans telle fédération, peut-être que l'autre va plus facilement t'accepter. Donc j'accepte aussi pour ça. Et puis voilà, tout simplement. Hein. Du coup, voilà, donc oui, donc c'est la fédération avec Brock Lesnar, Alberto Del Rio, et voilà, donc Brock Lesnar, pour lui piquer son titre, ça va être compliqué. Voilà, on peut voir qu'il a 11 000 dollars pour un contrat de 12 weeks, il n'a pas le creative control de son personnage. CM Punk, il a 6 500, ah, oh, il lui reste 0 semaine, il a son contrôle créatif, très bien. D'accord, je vois. Et du coup, on est parti pour notre premier match. Un Steel Cage First Blood vs Paul Street. Donc notre ennemi. Me fait rire ça. Regardez comment il va monter. Oh là là. Ok. J'attendais ce moment de... Non, hein, j'attendais ce temps depuis un moment, un truc comme ça. Ouais. Ephemeral Ray. D'accord, ouais, en gros, il se la raconte, quoi. Il se raconte un petit peu, il se la raconte un petit peu, but of... Oui. Bon, là, je sais pas c'est quoi le but du match. Est-ce qu'on peut faire des tombées? Ah oui, le petit pont, mais oui, mais bien évidemment. Oh putain, c'était rapide là. Oh, j'ai déjà. Ah oui, d'accord, j'ai déjà l'adrénaline. Ah, c'est un botch en fait. C'est un botch, c'est un. Comment on appelle ça les matchs à la WWE là qui finissent super rapidement. Ah, mais y a pas de tombée, faut s'évader en fait. D'accord, autant pour moi. Non, mais qu'est-ce qui branle lui là? Allez, on monte. Allez, on y va. Pardon. Pardon? Pardon? Attends, c'est un steel cage match, on est d'accord. Attendez, j'ai pas compris là. J'ai pas compris. Pas du tout. Ah non, j'ai mal compris. First Blood, je crois que c'est. Je vais perdre hein, si je continue comme ça. First Blood, il me semble que si je dis pas de bêtises. Attendez, je comprends pas. Ah putain, mais je suis manchot, ça se passe comment? En plus, il y a l'échelle, donc c'est dangereux de lui. Donc, First Blood, en fait, ouais, je dois le faire saigner. Dit comme ça, c'est vrai que c'est mignon, effectivement. C'est mignon, autant pour moi. Ah, pour moi, tu mets un steel cage. Pour moi, je. Bah, attends, quitte à le faire saigner, autant prendre la barre de fer. C'est la barre de fer. Saigne, putain de ta race. Parce que je peux pas faire le tomber, donc normalement. Et je vois rien à la caméra, sérieusement. Merde, ça, c'est l'arbitre, je suis désolé. Saigne.
Ah ouais, ça... ah ouais, d'accord, t'as l'arbitre qui regarde si... Bon alors là, tu vas saigner, Coco, je te le dis. Hein. Allez, on y va, on fait saigner tout ça. Allez, t'as l'arbitre qui regarde. Re tout le monde, excusez-moi pour cette petite coupure, action à crash comme d'habitude. Et du coup, eh bien, bah du coup, bah je vous ai refilmé, voilà. Donc voilà, voilà sa vie. Et c'est parti, du coup. Bah on continue tout simplement. Hein. Action des fois il crash, bon c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, hein, écoutez. Allez, mais non, mais c'est quoi ces prises, wesh? Attends, faut que je prenne. Allez! Allez! Oh merde, il m'a contré le bâtard. Ouch! Allez! Oh là là, vas-y! Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, on voit rien. Voilà, allez hop. Alors oui, l'arbitre a changé, c'est normal au fait que je vous explique, je voulais vous le préciser. En fait, quand Action a planté, mon réflexe a été de faire échappe pour mettre pause. Mais j'avais oublié que mettre fin au match, ça mettait l'autre gagnant en fait. C'est comme si on abandonnait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû recommencer le match et je vous ai juste passé l'expo, je le déboîte parce qu'en fait c'est toujours pareil. On a le momentum très rapidement là-dedans. Du coup, je pense que c'est juste un botch. C'est là pour. Voilà, voilà, c'est un peu, tu vois. On me met dans un match, mais voilà, c'est mes débuts, voilà. C'est mes débuts, donc tu vois, il faut que je gagne dans un premier match forcément. Hein, on va pas me. Voilà. Allez là, normalement c'est bon là. Allez. Alors là, il saigne, hein, cousin. Ouais, mais il a abandonné, mais ça sert à rien d'abandonner. Oh, ça sert à rien d'abandonner, putain. Je dois le faire saigner. Dit comme ça. Non, mais non. Mais putain de... Mais dégage, l'arbitre. Alors, toi, Coco, je vais te faire. Je vais te détruire jusqu'à ce que tu saignes. Allez, vas-y. Tu ne peux rien faire, l'ami. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Merde, ah oui, à chaque fois, bah oui, je suis con, moi. J'appuie comme un taré. Allez, vas-y. Ah là, ça va être, eh, ça va être compliqué, ce match, hein. Ça va être compliqué, vas-y. Allez. Alors par contre, ta caméra, elle m'énerve un peu. On va un peu la bouger. Hein. Voilà. À hauteur, on peut la mettre là quand même. Voilà. Résume. Après, on va la baisser, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que là, bon, c'est un peu... On comprend rien à ce qui se passe, quoi. Je suis sûr qu'on peut casser la cage. Je suis sûr qu'on peut la casser. Mais qu'est-ce qu'il fout, l'arbitre? Bon, on est pas... Non, mais l'arbitre, il s'est cassé la gueule. Non, mais ça va être chaud. Ça va être chaud, on va peut-être rebaisser la caméra finalement parce que ça me perturbe de ouf. Ouais, voilà, ouais, voilà. Résume, voilà, on va se prendre ça.
Ah, vache, mon premier match, c'est pas les... Ah bah d'accord, ah bah alors là... Donc l'arbitre ne regarde pas encore, c'est ça qui me perturbe. C'est ça qui me perturbe de ouf. Allez, vas-y. Bah soumission, mais ça sert à rien que je fasse une soumission, je sais, mais il faut que je fasse saigner à la tête. Il veut pas saigner. Oh, je... Alors là, c'est... Mais Coco, là, normalement, c'est tombé, là. Je le détruis, là, normalement, je le détruis. Je m'acharne sur lui, il est pas prêt, le pauvre. Ah, la vache, allez. Oh, d'accord. Ah, la vache, il saigne pas, hein. Il saigne pas. Il va abandonner, putain de merde. Saigne, je veux t'étriper, je veux te faire saigner avec cette caméra qui ne fout rien royalement. Mais tu vas... Allez là, il saigne, cousin. Je vais pas m'arrêter, hein. Ah bah alors là, il cherche la guerre, il dort, hein. Et la caméra, mais qu'est-ce qu'elle fout, putain. Mais c'est les pires cadrages. Voilà. Oh, ça va être dur ce match, les amis, hein. Oh, ça va être dur de ouf. Ah, c'est bon, il commence à saigner. L'arbitre commence à regarder. Ah bah enfin, et la caméra, mais elle fait nimpe. Oh là là, les amis, putain, mais relève-toi, imbécile. Ah, je te jure, il m'énerve, ce personnage. Ah, ah, dis donc. Allez, vas-y, tabasse ce fils de princesse. Ah bah alors là, il saigne bien, alors là. Bah là, c'est des matchs hardcore. Oh, RKO, RK. Mais alors lui. Mais alors lui, il se croit où lui? Allez, tiens, tu vas. Ah merde, putain, je me suis cogné moi-même, j'ai réussi à me cogner. Allez, hop. Oh. Voilà, c'est un sacré match hardcore, hein. Si les mecs ils aiment pas, je comprends pas. Allez, dans ta gueule. Allez, bim bam boum, là je suis là pour gagner. Par contre, du coup, si je gagne, j'espère que je vais pas affronter Brock Lesnar, hein. Ça peut être compliqué, quoi. Ça peut être compliqué. Et bien, après, il y a un autre titre, hein, Alberto Del Rio, il est titre, hein, je vois pas. Il est champion, hein, Alberto Del Rio. Ah, si Brock Lesnar il perd son titre et que j'en profite. Allez, mais il va se saigner, oui. Bon, là, c'est un peu du... Ah, en plus, je vois rien, là. Mais la caméra, mais c'est... C'est un enfer, quoi. C'est... Ça me... Non, mais c'est un truc de dingue. La caméra... Voilà, la caméra, la caméra... Ah ouais, mais là c'est encore plus horrible là. Oh là là, mais codez votre caméra les mecs. Alors caméra, zoom, on peut, ouais, ouais, voilà, ouais, on peut mettre comme ça, voilà.
Et on dézoome, voilà. Hop, on reprend la barre. Allez, dans ta gueule. Au moins, on attaque son visage. Voilà, on attaque son visage, il est là pour... Mais merde, il m'a contré, le con. Allez, vas-y, allez. Ouais, sacré match, hein. Sacré match. L'arbitre commence à regarder. C'est donc il commence à... Voilà, il saigne un peu. On peut le voir, il est rouge. La question, c'est à quel point je dois le faire saigner. Tu vas cracher tout ton sang, mon pote. Ah, yes! Oui! Yes! On l'a fait saigner, ça y est, il pisse le sang. Son visage est en sang. Ah, ça, c'est tout? J'ai fait un match hardcore, ouais, c'est tout. Bon. Bah alors là, pour le strict, ouais, bah alors là, forcément, là, ça a bien diminué pour lui, hein. On est où, nous? Oh, notre fédération, elle est première! Notre fédération, elle est première. Ah, ouais. Ah, ça, c'est top, ça. Enfin, notre fédération, là où on est, quoi. Ouais. Donc, je suis pas gagné beaucoup. Je suis payé que 200 et tout. Je dépense 859. Mais après, c'est pas très grave. Je préfère, voilà, perdre un peu d'argent, mais me faire des... Hein. Alors, attends. Free agent. D'accord. Free agent. D'accord. Free agent, putain, beaucoup de free agent. Hein. Oh là, je le sens pas. Hé, hey, Sherwan, fais voir ma petite tenue. Ouais, elle est bien. Ouais, j'aime bien. Ça va, c'est raffiné, quoi. C'est pas des trucs what the fuck non plus. Hardcore, single vs AK. Eh ben, on est parti, les amis, pour notre match hardcore numéro 2. En même temps, c'est que des matchs hardcore là-dedans. AK, Witch, Sufu. C'est d'un ridicule. Et Jean-Camille. Paul Street happens. D'accord, oui, j'ai tapé ton ami et blablabla. Bla, bla. Oui, allez. Ah putain, heureusement que l'autre il le dégage. Merci de respecter les règles. Ah, quand on utilise un objet là, ça parle. Ah, oh, y a pas. Ah, oh, c'est un octogone, y a pas. Oui, je me disais, bah ils sont où les fils? Y a pas de règles. Ah, oh, c'est bien ça. Enfin, y a pas de règles. Y a des règles, mais je veux dire, c'est un match de boxe, la limite. Ouais, je suis à rock break là. Bah, hein. Dit-il alors qu'il y a pas de corde. Merde, allez, relève-toi. Tiens, ça t'apprendra. Ficello, va. Tiens. Je vais te détruire, mon pote. Tu m'as pas pris au sérieux, je vais t'arracher les yeux. En fait, là, c'est plus un match de boxe, là, c'est octogone. Donc, je me doute bien que là, toutes les poses qu'ils font, bon, c'est pas très très. Hein. Mais au moins, c'est intéressant de ouf. Mais à chaque fois, je fais la même prise. Ouais, c'est parce que je parle, du coup, bah. Donc là, pour l'instant, c'est des adversaires faciles. Mais par contre, quand on va affronter Brock Lesnar ou un Alberto Del Rio... Bah, Alberto Del Rio, ça devrait aller. C'est plus Brock Lesnar qui ont... Voilà. Ils ont l'air pas mal forts dans le jeu, là. Donc, voilà, ça a l'air... Voilà, ça a l'air pas mal. Allez, on se soulève. Allez, vas-y. Voilà. Et bam.
Allez, j'ai l'adrénaline. Allez, allez, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Vas-y. 1, 2, 3. Allez, c'est fini. Allez, on l'a démoli. On l'a démoli. Très bien. Ouais, popularité 2, très bien. Très bien. Oh ouais, merci pour les applaudissements, mais c'est grâce au match hardcore aussi. Voilà, très bien. On perd un peu de l'argent, mais on est toujours bien. New World Champion. Ok, bravo. New Tag Team Champion. Très bien. New Superstar Junior. Bravo à lui. Ok, bonjour. Ciao Camille, je me... Ok, il veut des nouveaux mouvements. Bah ouais, hein, allez-y. Hein. Mais mettez-moi des nouveaux mouvements, hein, allez-y. Hein. En espérant que ça soit bien. Hein. Voilà. Ropeless match. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un ropeless match, mais wesh, c'est what? Mais toujours plus, wesh. N'importe quoi. Mais comment on gagne le bordel? C'est genre un battle royale, le mec qui tombe et bam, c'est me s'éveiller. Mais attendez, mais c'est n'importe quoi. Et que comment qu'on gagne? D'accord, what? What? D'accord, bah écoute, c'était rapide. C'était super rapide. Ah bah c'est facile comme match ça. Non mais c'est super facile. Non mais donnez-moi... Ah mais donnez-moi des matchs. Ah bah non mais c'est super facile, ça peut durer longtemps, ouais. Je vais faire un botch le truc. Oula. Ah c'était facile comme match celui-là, faut juste pousser son extérieur. Bah ouais mais il n'y a pas de corde, donc la moindre prise que tu fais, forcément c'est facile. Ah bah alors là par contre c'est super facile. Ok, ils auraient mis un Fatal 4-Way, là ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Donc là, moving on. Très bien. Kaiser me dit, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais que tu changes ta conduite. More important, the what to do. I knew just your... D'accord, on va voir ce qu'on peut faire. Ma nouvelle gestuelle. Au micro peut-être. Bon allez, changez-moi complètement les mecs hein. Changez-moi tout, hein, les tenues, la prise, hein. Ça me dérange pas trop. Oula, bonjour. Cher Camille, je suis là pour te challenger pour un match. Le 4... la semaine du 4 août. Bien sûr, allons-y. Non, merde, je suis... Trompé. Je me suis trompé, putain, j'en ai marre. Bon, c'est pas grave. Et là, on se retrouve pour le PPV, un cage fight. Là, c'est parti, les amis. Cage fight. Bon, ça, on connaît. Hein. C'est un match normal. Enfin, normal, entre guillemets. Hein. Enfin, il y a le tombé, il y a tout. Quoi. Oh, allez, il va encore parler, putain. Je suis blablabla, blablabla. Oui, oui. Allez, va là-bas, t'es gentil, Coco. En même temps, ils me mettent si, ouais, ils me mettent les mêmes adversaires, ça risque pas d'être compliqué, hein. Pour l'instant, je suis dans la mid-card, donc c'est pas mal. Mais après, si tous les matchs sont comme ça, c'est pas mal, justement. Hein. Bah, en même temps, c'est une fédération hardcore, donc c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Je valide, moi, parce que je... Ah, putain, faut dropper son arme. Ah, d'accord, c'est... d'accord. Allez, lâche ça. Donc, en fait, c'est un match en cage, mais les armes, t'as pas le droit. Non, mais j'ai note. Quoi? Putain, mange-toi la cage! Ah, d'accord. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais d'accord.
Putain, j'ai le réflexe moi de les envoyer dans les cordes, mais là je peux pas. C'est perturbant. Ah, oh, dans les parties. Oh là là, oh bah alors là, oh bah alors là, bah ça doit faire un mal de chien. Allez hop, on fait ça. Pour l'instant, c'est un match assez facile. Allez, oh putain, oh c'était joli ça. En même temps, il se laisse faire là, c'est pas marrant. Bon, bah c'était plutôt rapide. Ah, par contre, ça, ils me l'ont pas changé, ça, je suis déçu. Ils me changent toutes les prises, mais sauf sauf celle que je souhaite, quoi. Non, mais la blague. La blague. Allez, vas-y, soulève-le. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, viens là. Je vais t'arracher les plumes. D'accord, pas du tout. Pas du tout. Allez, on peut le faire. Donc là, on voit rien. Il va falloir anticiper. Allez, vas-y, fais-le tomber. Hein? Mais comment on gagne? Attendez, quoi? C'est quoi les règles du match? Attendez, mais ça pas de tomber, on gagne comment? Ah, mais... Attends, mais quoi? Eh, l'arbitre, reviens là! En tout cas, hein, il fait coucou à la vidéo, ben ça... Alors, je sais pas ce qu'il regarde, hein, mais apparemment il regarde s'il peut plus combattre. D'accord. Parce que là, ouais, pour le faire saigner sans armes, ça va être compliqué. Hein. Donc, c'est un match en cage normal. Donc. Ah, d'accord, j'ai gagné. Ok, fallait juste gagner par KO. Et il se barre l'autre. Allez hop, c'est fini. Basta, hasta luego. Donc, le monsieur s'appelle Aka. C'est fou. C'est fou, non, c'est fou. Hein. C'est fou. Très bien, Superstar Wrestling. Ok, on est toujours premier, c'est parfait. Voilà, ouais, c'est pas très grave, on perd de l'argent, mais avec tout ce qu'on a, c'est normal. New United States Champion. Joel Ardon, très bien. Psycho Kid, d'accord, très bien. Moving On, très bien. Good Radiant, très bien. The End Is Night. Ah putain, la fin de mon contrat prend déjà fin. Bad Influence. Oh, je t'emmerde. Shirokami, association... Shirokami, s'associer avec Tony Land... son association avec Tony Land a un effet négatif sur son agilité et sur son attitude. Très bien. Alors, dis-moi. Il take play... Hein? PMI... Attends, quoi? Ils me proposent quoi? J'ai pas compris. Eh, ils ont beaucoup, hein. No pay me what the worry. Allez, vas-y, si tu veux. Si tu veux, hein. Shirokami. Ouais, d'accord. Faut juste 1500, nanana, je peux te give un stéroïde pour le prochain match. Vas-y, give-moi des stéroïdes. Oh là là, on a pris des stéroïdes. Mon dieu, on va se faire déglinguer. Il reste une semaine, ok. Il nous reste une semaine, donc là, on va pas le faire. Nickel. Free Agent, New Universal Champion, très bien. D'accord, Free and Rockets, très bien. The End Is Night, très bien. Oh, Greg McMahon has the most. Oh putain, pas mal. Thank you for our time. Merci pour ton temps à Weekend Warrior. But, j'ai pas envie de te refaire re-signer un contrat avec la fédération, quelque chose comme ça. Je te souhaite beaucoup de chance dans ton futur, etc., etc. Et d'accord. Très bien. Je note. Il n'a pas voulu. Très bien. Très bien. Il n'a pas voulu re-signer un contrat avec moi. C'est un peu triste. Visiblement, j'ai pas assez de popularité. Ouais. Ouais, c'est un peu triste, hein.
C'est un peu triste. C'est un peu triste. Je propose qu'on s'arrête. Ouais, on va essayer de s'arrêter. On va d'abord faire ce match-là. Je propose qu'on s'arrête là. Les amis, c'est un peu dur de trouver une fédération qui souhaite bien de moi. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué de trouver une fédération qui accepte. Parce que moi, j'étais bien Weekend Warrior. Ils m'auraient proposé un contrat, j'aurais sûrement accepté. Hein. Mais là, le fait qu'ils ne veulent pas de moi, ils ne veulent plus de moi. Bah c'est compliqué quoi. Enfin c'est compliqué dans le sens bah ouais parce que du coup moi ouais c'est compliqué quoi parce que si eux ils ne veulent pas de moi comment je fais C'est un peu compliqué. Donc là on est à l'école, y a pas de public, c'est normal. C'est tout à fait normal. Par contre ouais c'est vrai que c'est vraiment c'est compliqué quoi. J'aurais bien voulu rester un peu plus longtemps dans cette fédération, même beaucoup plus, hein, pour avoir un titre, que ce soit par équipe ou solo. D'accord. Que ce soit, voilà, un titre comme ça par solo, quoi. Par équipe ou solo, je pense pas qu'il y ait des titres par équipe à la Weekend Warrior, mais au moins un titre par solo, que ce soit pas forcément le titre de Brock Lesnar, il y a aussi Albert et Del Rio et tout. Hein. Donc, ouais, j'aurais aimé un peu près rester là-bas, voilà. Mais enfin bon, ils veulent pas de moi, voilà, c'est pas très grave. Au moins, j'ai pu aller là-bas, le jeu va conseiller, enfin ça m'a fait une expérience, donc peut-être que d'autres fédérations vont être prêts à me signer. Et voilà quoi, enfin, ouais, c'est un peu... ouais, j'ai que... ouais, c'était vraiment là en fait, j'étais vraiment là juste pour botcher, j'ai l'impression. Donc bon... Mais après, bon, c'est pas très grave, hein. Enfin, j'ai botché, j'ai gagné, quoi. Mais ouais, d'accord, ça marche. Bon, après, c'est pas... Pardon, excuse-moi. Ça me dérange pas trop. Allez, c'était fun. Peut-être qu'il va me re-signer d'ici que j'ai un peu plus de popularité, parce que la popularité compte énormément, hein. C'est-à-dire que, voilà, dans les autres fédérations, faut avoir une très grosse popularité, hein. Voilà, donc... Mais merde. Eh merde, t'as pas le droit de perdre là-dessus. T'as pas le droit de perdre là-dessus, putain. T'as pas le droit non plus de perdre là-dessus. Voilà. Non, mais putain, mais il est con ce Shiroi. Voilà. Allez, bim bam boum. Ça fait tut tut, ça fait boum boum. Alors, attendez. Hop. Voilà, le plaquage. Donc c'est compliqué. Et vous voyez ce qui est très très bien, je trouve. C'est que regardez, je gagne très souvent mes matchs, parce que pour l'instant, c'est vraiment à chaque fois qu'on signe dans une fédération, ils mettent des catcheurs entre guillemets, mais pas les top stars contre moi, c'est-à-dire, voilà, ils mettent vraiment des catcheurs assez débutants. Voilà, ils mettent, voilà, c'est pas la difficulté du jeu qui est trop facile, c'est qu'ils me mettent des catcheurs assez assez normal, c'est-à-dire, voilà, j'aurais affronté Brock Lesnar dans ma semaine, je me serais fait déboîter, on va pas se mentir. Mais vous voyez que ce qui est bien, c'est que de gagner tous ces matchs... Oh merde, oh bah d'accord. Gagner tous ces matchs, en fait, ce qui est bien, ça veut pas dire qu'on va être pour autant dans le meilleur. C'est-à-dire que je peux très bien faire une carrière sans arriver à mes objectifs, donc ça va m'inciter à recommencer une carrière. Bah voilà quoi, c'est vraiment... je trouve ça vraiment pas mal, le fait qu'en fait tu gagnes tes matchs, mais c'est pas pour autant que ça va t'avantager, alors que si tu perds des matchs, tu vois, c'est vraiment... C'est top quoi. Alors tu me dis, bah alors quelle idée de gagner des matchs, mais en fait c'est juste parce que personne veut d'un mec qui gagne tout le temps et tout, à part si c'est pour créer une storyline, etc. Bref, il y a vraiment plein de trucs complets et c'est ça, et c'est pour ça que j'adore ce jeu quoi. Il est complet de ouf quoi. Par contre, je suis dégoûté du coup parce que on m'a proposé de tester mes stéroïdes là, mais du coup j'ai payé pour rien quoi. J'ai payé pour rien. 1500 pour voir, j'aurais trop voulu voir ce que ça faisait si on était vraiment puissant. Donc ouais, je ne gagne pas de... Attends, j'ai combien de popularité? J'ai 82. Je vais regarder la popularité de Brock Lesnar. Alors, Shirokami, Airstyle... Oh là non, oh là là non. Qu'est-ce qui me fait malheureux? Non, non, non. Laisse-moi chauve. Non mais oh. Et bah écoutez les amis, je propose qu'on va s'arrêter là. Je vais juste regarder. Brock Lesnar, il a combien de popularité? Il a 92 de popularité. Il faut 84, 89, 72, 75 Marc-Henri. Bah putain, j'ai toutes mes chances moi en fait. Mais ouais, c'est bizarre quoi.
C'est bizarre. C'est vraiment... Bah, c'est étrange, quoi. Et oui, genre, en fait, je refais un petit match. Hein. Allez, un petit dernier, on se dit, voilà. Ça peut être fun. Mais c'est vrai que... En ce moment, là, ces trois derniers épisodes, là, je switch beaucoup. Hein. Là, je... Merde. Je rejoins telle ou telle fédération. Je fais ici ou ça. C'est vrai que là... Ouf, d'accord. Voilà, c'est vrai que là, j'ai pas une fédération stable. Comme c'était le début de mon aventure, enfin, comme au début de mon aventure, c'était pas... C'était bien au début de l'aventure, c'était stable, c'est vrai que j'avais, tu vois, j'avais des gros contrats. Là, après, j'ai quand même envie d'évoluer, c'est-à-dire, j'ai pas envie de rester dans les premières fédérations, là, les top 8. J'ai quand même envie de, voilà, Weekend Warrior, ça m'aurait bien plu, hein. Par contre, le match était super facile. Il y avait un match, là, le match, là, pour faire tomber l'autre, c'était super facile, hein, vraiment. Fallait juste le pousser, c'est tout. Bon merde, je me suis cassé la gueule. Donc non, honnêtement, c'est... Ah, mais t'es pas marrant. Mais non, mais je voulais qu'il... Je voulais... D'accord, oh, d'accord, il a rien... ça lui a rien fait, quoi. Non mais oh, viens là. Oui, viens là. Allez, vas-y, fais-le tomber. 1, 2, d'accord, bah pas du tout. Bah j'ai essayé, hein, on est à l'école en même temps, on est des free agents. Après l'école, c'est pas les plus nuls superstars non plus, hein. C'est juste que on est free agent, quoi. Genre même lui, il est agent libre. Du coup, ouais, c'est un peu... Ouais, c'est con, j'aurais bien voulu rester à Weekend Warrior. Je suis un peu dégoûté. Je ne sais pas pourquoi ils ont pas voulu... Ils ont pas voulu m'accepter. Enfin, ils ont même pas voulu de moi tout court. Ils ont même pas proposé un contrat. Ils ont... Non, rien. C'est vraiment... Ils ont rien proposé, quoi. C'est triste, quoi. C'est... Ouais, honnêtement, c'est super triste. J'ai le seum, en vrai. J'ai le seum. Ah là là, j'ai le seum. Après, peut-être qu'il y a des astuces, hein, que je ne connais pas dans le jeu pour peut-être évoluer. Hein, je ne sais pas, il n'y a vraiment aucun français qui a fait le jeu avant moi. Enfin, j'ai pas trouvé. Quand j'ai voulu regarder un let's play sur YouTube du jeu, il n'y avait pas. Donc, enfin, il y avait, mais il n'y avait pas de let's play français ou voilà, il y avait que des anglais, que des américains. Mais voilà, c'est un peu dommage. C'est dommage, non, parce... bah non, c'est cool parce que c'est pas vraiment un jeu connu du public français, mais c'est vrai qu'il est pas mal, hein. Oh, j'ai fait la prise de Randy Orton, je ne sais plus comment cette prise s'appelle, oui, allez hop, hasta luego, baby. Voilà l'école, hein. L'école, le but c'est vraiment de gagner tous nos matchs. Bon, moi, il n'y a rien qui augmente, Ah, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, pour améliorer son skill, je crois qu'il me semble que j'ai trouvé, je vais vous expliquer tout ça. Alors attendez les amis, donc là il est agent libre aussi, Fluent Request, d'accord, moving on, over qualifié, il est qualifié, très bien. On va s'arrêter là les amis, mais je vais vous montrer pour améliorer tu vois, mon agilité ou ma stamina, c'est vrai que c'est les choses les plus bas. Donc je vais regarder dans Gimmick et on peut voir la stamina. Alors il me semble que là je peux travailler la stamina. Voilà. On augmente de 70 la stamina. Sauf que ça fait perdre mes points de vie. Donc c'est à dire que pour le prochain match je vais être un peu plus KO, quoi. Voilà, un peu plus Voilà, je suis KO. Regardez, je n'ai plus rien là. Regardez, hop, cher Camille, là, j'ai plus de vie. Donc pour mon prochain match, ça va être très très compliqué. En tout cas, les amis, on va quand même s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Et à commenter, ça me ferait encore plus plaisir. Et nous, on se retrouve comme d'habitude, hein, chaque jour à 17h pour le let's play de... Wrestling Empire, voilà, si vous avez des conseils ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds à tout le monde. Donc vraiment, je compte sur vous, et sinon, bah, je vous love. Du coup, ciao ciao tout le monde, et portez-vous bien. Allez, ciao ciao.